J'ai lâché prise, et ma vie a changé en Jésus-Christ, un récit personnel, le poids du contrôle. Avant ma rencontre avec Jésus, ma vie était une course effrénée pour tout contrôler. J'étais tiraillé par l'anxiété, le stress et l'insécurité. Je m'efforçais de maintenir une image parfaite, de réussir à tout prix et de m'assurer que tout se déroulait selon mes plans. Mais cette soif de contrôle me rendait épuisé et aigri. Je vivais dans la peur constante de l'échec et du jugement. Un jour, accablé par le poids de mes responsabilités et de mes luttes intérieures, je me suis écroulé. J'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer ainsi. J'ai alors décidé de lâcher prise et de faire confiance à Dieu. C'était un acte de foi audacieux, car cela signifiait abandonner mon besoin de tout contrôler et accepter l'incertitude de la vie. C'est dans cet état de vulnérabilité que j'ai rencontré Jésus. Sa grâce et son amour inconditionnel m'ont enveloppé et m'ont permis de me sentir compris et accepté tel que j'étais. J'ai commencé à découvrir une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Laisser Jésus prendre le contrôle de ma vie n'a pas été un processus facile. Il a fallu du temps et de la persévérance pour apprendre à discerner sa volonté et à lui faire confiance. Mais chaque jour, je me suis senti de plus en plus transformé par son amour et sa sagesse. En lâchant prise et en laissant Jésus me guider, ma vie a connu une transformation extraordinaire. J'ai trouvé une joie et une paix intérieure profonde. Mon regard sur le monde et sur les autres a changé. Je suis devenu plus patient, plus compatissant et plus aimant. Mon histoire est un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent perdus, oppressés par le poids du contrôle et qui aspirent à une vie plus authentique et plus épanouissante. Si vous êtes prêt à lâcher prise et à faire confiance à Jésus, il vous conduira sur un chemin de transformation extraordinaire, rempli d'amour, de paix et de joie. Voici quelques points clés à retenir de mon expérience. Lâcher prise ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Il s'agit de faire confiance à Dieu et de lui donner le contrôle de notre vie. La transformation en Jésus est un processus graduel qui nécessite du temps et de la persévérance. Les fruits du lâcher-prise sont nombreux, paix intérieure, joie, amour, compassion, patience et sagesse. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis rempli de joie, de paix et d'amour. Je vis avec gratitude et confiance, car je sais que Dieu est toujours avec moi. Si vous vous sentez perdu ou oppressé, n'hésitez pas à faire le premier pas vers Jésus. Il vous attend à bras ouverts. N'oubliez pas le message de Dieu peut sauver quelqu'un, partagez-la, donnez votre avis. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin de foi. Abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages inspirants.